Bienvenue dans l'épisode suivant concernant la création d'un char mycénien antique, en l'occurrence entre 1600 à 1200 avant Jésus-Christ. Donc c'est de l'archéologie expérimentale et nous mêlons élèves, enseignants, artisans, chercheurs dans ce projet. Je suis allé au Salon du Couteau, le 11e Salon du Couteau à Lyon, pour y rencontrer des forgerons, dont un qui avait travaillé sur le projet SPDR de la scie hydraulique précédente. Et nous avons rencontré un métallier qui nous a expliqué le principe des agrafes en bronze pour relier le pneu en cuir à la jante en bois du char mycénien. Bonjour, je m'appelle Éric Lyonnais, je suis métallo en général, compagnon des Devoirs Unis. J'ai une formation de taulier, de technique générale, bac E, enfin des machins comme ça. Et donc, pour en revenir à notre propos, qui consiste à sertir un bandage de cuir sur une jante bois, il suffit de faire des agrafes qui, elles, sont en bronze, sachant que le bronze a des caractéristiques techniques qui font qu'on le travaille, on le coule à chaud, mais on le travaille à froid. Si on le travaille à chaud, il casse. Donc, je vais vous faire un petit croquis pour vous expliquer le principe technique. Je fais déjà la jante, je suppose qu'elle est comme ça, hein, oui. On le fait assez grand. Le cuir, en théorie, devrait être, je le représente avec du jeu, grosso modo comme ça. Tout à fait. Il nous faut donc lier le bandage cuir avec la jante bois au moyen d'agrafes qui auront en phase finale les portées nécessaires et suffisantes pour représenter ceci. Elles seront faites comme cela, à savoir en coulé ou en formage, à savoir qu'ici on garde un angle droit. Et le battage se fait sur cet angle-là, de manière à ce qu'on rentre dans le cuir et qu'on ramène les crochets légèrement rentrants. Il est important que ce façonnage se fasse à froid, le bronze étant cassant en température. Eh bien, je vous remercie beaucoup.